Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un Bavaria, le T726 FC Steel, modèle 2020. Allez, on va aller voir la soute. Lampe extérieure. Grande soute traversante. Chauffer, bien sûr. Caméra de recul. Bon, il faudra penser pas de porte-vélo. Donc la lumière, comme je disais, deux grandes grilles, donc un grand frigo. Alors au niveau de la porte d'entrée avec une vitre, voilà, double vitrage et occultant. Super, petit rangement. Donc là, nous sommes sur un porteur Fiat. Voilà. Il y a déjà les stores émis. Voilà. Là, hop, c'est pareil. Voilà. Les stores. Tablette. Écran GPS. Boîte à gants réfrigérée. Donc pour les stores, voilà, on tire et on lève, voilà, et ça fait store émis. Alors Skyroof. Alors qu'il s'ouvre pas. Voilà, celui-là il s'ouvre pas. Bon, mais il y a quand même, voilà, l'occultant. Et vu que c'est un ensemble, les moustiquaires qui servent à rien. J'aime bien ce coloris là. C'est clair, c'est lumineux. Donc là, lit pavillon. Belle table. Alors par contre, en enlevant les deux coussins là et en relevant le siège là, ça permet de faire un passager face route. Très pratique, parce que rouler face à la route et non sur le côté ou à l'opposé, pas très pratique. Et là pareil, en enlevant les deux housses qui étaient là, côté dos et côté siège, voilà, pour s'asseoir, ça fait aussi une place face route. Donc quatre places, carte grise. C'est des cranks de contrôle pour la télé. Et là, j'aime bien quand elle est là, la télé. Je trouve ça sera plus pratique que nous, comme en haut. Alors la cuisine, vous voyez la cuisine, il faut appuyer là pour ouvrir, hein. Faut pas tirer, voilà, placard, occultant, moustiquaire, et alors par contre pour y accéder à la fenêtre, le plan de cuisine est très large. Très large, et je trouve pas ça trop pratique. Moi qui suis pas très grand, 220,
deux prises double, allume-cigare. Et là, nous avons... Ah, deux feux. Ah, super. Voilà. Là, ils ont compris. Deux feux, pratique. Trois feux, ça sert à rien. Et ici, l'évier, qui est relativement grand. Il n'est pas très profond, mais ça suffit largement. Par contre, il est quand même grand. Pratique. Les tiroirs. Là, c'est casserolier. Et là, vous avez l'écran. Voilà. Qui fait. Alors, normalement. Voilà, ouais, voilà. Donc, ça, c'est l'écran de contrôle pour la télé. Et là, j'aime bien quand elle est là, la télé. Je trouve que ce sera plus pratique que nous, comme en haut. Alors, ici, il y a quoi? Hop. Ah, mais voilà. Donc ça, c'est pour monter et descendre le lit pavillon. Interrupteur pour allumer la lumière par là. Chauffage, Truma, CP+. Super. Au fond, toute est l'installation pour pouvoir brancher la télé de ce côté. Grand frigo. Slim. Donc c'est pareil, énergie, c'est les trois. Donc électricité, gaz, 12 volts, et là on met sur automatique et tout se gère tout seul. Oh, ça s'ouvre comment ça? Ah oui, ah si, d'accord, ok, voilà. Donc petite partie réfrigérateur, voilà, pour garder le temps des vacances, mais pas plus en surgelé. Douche qui se ferme comme ça. Voilà. Hop, c'est deux battants. Hein. Voilà, stock. Alors la douche, moi, petit inconvénient pour moi, passage de roue, qui est quand même relativement important, il y a au moins 30 cm, et là il y a 30 cm voilà, pour se poser et se doucher, mais je trouve pas ça très pratique, sinon la douche en elle-même est très grande. Une ouverture en haut, alors par contre, ce qui est bien, voilà, donc vous avez ici en haut, hop, voilà, le moustiquaire, l'occultant, et pour ouvrir le lanterneau, c'est une manivelle, et ça, voilà, vous voyez, ah, ça c'est génial, alors ça je trouve ça génial, c'est très pratique. Après la toilette, avec la porte des toilettes qui sert de double paroi. Voilà. Petit lavabo. Bien. Oh ouais. Là pour les rangements, ici en haut. Abonnez-vous, likez, laissez des messages. Ça fait toujours plaisir. Alors là, pour voir, voilà, on tire. Petit rangement. Parfait, super. Le lanterneau ici, pareil, avec moustiquaire, occultant, et toujours notre manivelle. Ah, ça, c'est génial. Alors ça, sur ce camping-car, les lanterneaux sont avec les manivelles.
Alors, lit central. Super. Avec la panne de riz, je suppose, là. Voilà, panne de riz. Vous avez les haut-parleurs ici sur le côté qui donnent avec la station multimédia devant. Là, deux USB. Et ici, un 220. Alors, ce qui est un peu dommage pour moi, il n'y a pas au moins un point de recharge pour le téléphone de l'autre côté. Les deux points sont là. Au pire, moi, j'en aurais mis un d'un côté, un de l'autre. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et là, ici en haut, vous voyez, ici, hop, possibilité de remettre une télé avec le branchement pour le satellite et l'alimentation. Donc la télé viendrait ici. Et ça, ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas ça. Non, ça, ça s'ouvre pas. Ah, il y a un truc que je viens de voir. Hop. Alors, apparemment, il y a un double plancher. Il y a un double plancher. Alors ça, c'est super bien. Ça, c'est vraiment très bien, le double plancher. Et je vois qu'au niveau de la table, pareil, il y a une ouverture. Hop. Ah ben là, c'est pour le réservoir d'eau. Voilà. Réservoir d'eau.